Fico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas l'AC. C'est qui? Bon, là, c'est parti pour la troisième partie des rappeurs qui dérapent en concert. À l'équipe, là, si t'as bien compris le concept, si t'as vu la partie 1 et la partie 2, en gros, je te regroupe des trucs qui sont passés pendant les interviews, qui sont marrantes, des clashs, des rappeurs qui s'emportent, les rappeurs qui parlent de femmes, etc. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence tout de suite. T'as dit rentre dans le cercle, je sais même pas si je rentre dedans déjà, tu vois. Faites-moi de la place. Je suis en train de le fumer, wesh. Oh non. Oh, j'ai un hélicoptère d'attaque. Oh. Ah, y'a un Nazan, un montgolfière dans le ciel, les gars. Les gars, j'ai envoyé un. Allez, bâtard. Moi, dès que je suis poussé dans l'euphorie, ma voix, elle devient tendre. Mais la crime, il a tout le corps balafré. Putain de merde. Lui, il est obligé d'être un méchant. Hé, attrapez-le, tuez-le. La crime, il me course et moi, je dis, au secours, aidez-moi. Très bien qu'il va me louer avec sa tête de maintenant, tu dois baiser la meuf. Oh, il est bâtard. Tu veux qu'elle s'en fasse? Voilà de la situation, quoi. Il a pas l'air. Vas-y, oh là. Voilà de la situation. Moi, tu veux pas Colombo? Je peux pas répondre à cette question, Colombo. Je suis désolé. C'est qui, wesh? C'est toi. C'est toi. Tu me jettes ça. Viens, viens. Fais le tour, viens. Viens. Viens, fais le tour. Tu vas reprendre dans la tête, papa. Viens. Tiens. Connard, moi. Tiens. Connard, moi. Le RK s'est déjà pris un pain au chocolat dans la tête en plein concert. Voilà. Ouais, le pain au chocolat. Sur le corps, j'ai déjà pris un pain au chocolat dans la tête. Voilà, ouais, j'ai un concert, il y a un mec, en fait, c'était pas une mauvaise intention. Mais voilà, j'ai reçu un pain au chocolat. C'était en rapport avec Mo, pain au chocolat de Copé ou même pas, ou rien à voir? Non, rien à voir. Rien à voir, donc c'était juste un pain au chocolat. Mais voilà, j'ai pris un pain au chocolat dans la tête, les frères. Et donc, en effet. Quels sont les fans dans ta vie? Ah, franchement, moi, j'aime les chinois avec les filles. De ouf. Hop. T'as bien compris les règles du jeu? Je les ai comprises, oui. Oh, c'est foulant. Oh non. Non, c'est trop facile. S'il te plaît, Mehdi. Mehdi, ouais. Oh non, c'est de la triche. Tu veux que je perde mon job? Non. Dis-moi, j'ai un cahier des chefs. Non, on refait. La phrase la plus méchante qui est sortie à une femme. Waouh. La phrase la plus méchante à une femme. Putain, je sais pas, je suis un amour, moi, je... Un truc méchant, une femme... Je sais pas... J'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais de ton cul, salope? Ouais, c'était pas très gentil. Et le mot le plus doux que tu aies dit à une femme? Tu ressembles à un homme. Oh non, mais non. C'est vrai que tes relations elles durent pas, toi aussi. Quand t'as fait tes locks, gros, je veux savoir. J'ai pris un vieux gant pourri, j'avais des petits cheveux comme ça, j'ai frotté, wesh. Ah ouais? La tête d'homme. Tu les as fait toi-même? Au début tout seul, maintenant tu connais, j'ai mon petit coiffeur là. Ah ouais, c'est énervé de fou. Et ouais. Faut que je fasse la même, hein. Tu sais, moi je dois faire des locks. Moi je peux, moi t'inquiète, je vais te les faire, wesh, normal. Ah ouais? Vas-y, gros. Va me faire mes locks, gros. Encore un petit peu rigide, genre elle bouge pas trop encore, mais. Gizmo, on a perdu à cause de moi. Oui. Mais il y a d'autres épreuves. Pourquoi oui, t'as dit oui? Non. Hey, s'il te plaît, laisse-moi. Il y aura d'autres épreuves. Je te le promets. Allez. Non, j'avais bien prévu mon coup. Pourquoi j'ai dit oui? Quand j'ai déménagé là-bas, là. Ouais. Putain. Il y a une prof, elle est venue. J'étais en 4e ou 3e, je crois. Elle me faisait de la hagra. Hein. Oh là là. Avec elle, je me la coulais douce. J'avais pas de raison de faire le fou en classe, tu vois. J'étais correct, tout ça. Elle me faisait des trucs de fou, ma gueule. Madame Jaffrézic, espèce de sale putain de ta mère. Espèce de sale putain de ta mère. En plus, parce qu'une histoire que j'ai voulu taire pour pas faire le mec qui veut faire du buzz sur son dos, mon père, pas son âme, ce mec-là, il lui a mis une tarte en 88 ou 89 au terrain vague de la chapelle et il est parti se réfugier dans le métro avec les souris. Tu vois ce que je veux dire? Tous tes albums que t'as fait, il y avait des trucs de ouf. Ah. Est-ce que c'est... Je sais pas, est-ce que c'est... T'es dans un autre concept? Est-ce que... Je sais pas, voilà, t'as envie d'arrêter. Tu prends trop parti en tant que journaliste, tu vois. Non, je prends pas parti. Peut-être que toi, tu vas pas kiffer, peut-être qu'un autre journaliste, il va kiffer, tu vois. Non, parce que là, je parle pas en tant que journaliste. Tu me dis ce que t'aimes pas, c'est même pas ton travail de me dire que t'aimes pas ou quoi, tu vois. Les objets de désir, quand tu dis objets de désir, c'est-à-dire. Dans ce bâtiment, des fois, quand je fume, je repense à son cul, je prends mon gamos et je repars la voir. Alors, du lundi au lundi, je vais lui baffer son fessier, lui casser les reins, lui plier les dorsaux, lui attacher les mains.
Ah ouais. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Alors, sorti voilà. de son contexte comme ça, c'est sexuel, hein, c'est un film de cul, le truc. C'est pour ça que je dis, c'est pas un type pas ça comme ça. Je voyais pas ça comme ça. Non. J'avais un plan cul jadis, que tout se passait bien et qu'on s'est perdu de vue. Et qu'il y a eu une maladie. J'étais plus jeune, moi aussi, à l'époque. Okay. Et donc, après, je l'ai perdu de vue. Et un jour, elle me recontacte via les réseaux sociaux, me disant qu'elle est gravement malade, qu'elle va bientôt mourir, qu'elle va décéder, et qu'elle souhaitait que je la baise une dernière fois. Ah ouais. Avant de rendre l'âme. Ça commence bien. Pas trop gore, hein. J'ai pas envie d'avoir le cœur brisé, parce que quand mon cœur il est brisé, je le ramasse déjà, tu sais, j'ai du verre plein les mains, j'ai du sang, ça coule, et j'ai envie de te niquer ta mère. Dire ce qui s'est passé, tu vois, j'accepte les photos avec tout le monde. La vérité, j'ai accepté de base, tu vois pas. Mais quand c'est moi qui fais le selfie, c'est moi qui tiens le téléphone, c'est moi qui prends la photo, c'est moi qui... Tu vois ou pas, faut s'imposer, sinon les gens ils vont... Quand je lui dis donne ton téléphone, je fais la photo, il m'a dit non, non, je fais pas la photo. Dans ce cas-là, j'ai dit, bah tu sais quoi, il y a pas de photo, je me casse. Je me suis cassé, clair. Non, je fais rien pour vous escaper déjà. Je l'ai dit, il a fait le malin. Madame Japrézik. Waouh, ça vient du cœur là. Waouh, wow, ouais, même moi j'ai. Ouais, alors là, non, méchant comme je suis aujourd'hui, si je la recroise, les gars, non. Ça va pas se passer comme ça. Madame Japrézik, j'espère que tu ne vas jamais le croiser. L'empereur est généreux, l'empereur est un grand cœur. L'empereur est un grand seigneur. L'empereur est le génie de la lampe, il exauce tous les vœux. Donc, qu'elle repose en paix aujourd'hui. Oh non, c'est vrai, elle est partie et l'empereur est parti faire son devoir de vengeur, d'Avengers. Let's go, Clément, toi de jouer. On y va ? Après, c'est moi, je fais. On verra. Attends, je sais. L'ancien. Ouais, c'est l'ancien. Ah, il est bon. L'ancien. Ah, il est bon, l'ancien. Ah, ouais, il est bon. Ah, ça serait moi, j'aurais fait ça, tu m'aurais dit, je sais pas quoi. Moi, je suis plus à l'aise sur la Xbox. Hein. Là, c'est compliqué, wesh. Tu joues à la Xbox ? Moi, je joue qu'à la Xbox, moi. Tu es dur avec toi-même. Moi, je joue qu'à la Xbox, moi. Tu es dur avec toi-même. Non. Bah ouais. Non. Moi, je joue qu'à la Xbox. Ok, c'est wesh. Bon. C'est ce que je lui ai dit. T'es fou la play, frère. Xbox. Xbox. Je me mets avec des snipers, wesh. Ouais, c'est quoi le but du prochain jeu, Amish ? Tout ce qu'il a, et il faut qu'il continue. Allez prendre son album en juin. C'est un vrai. Force, frérot. Bang, 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 bang. Bravo. Arrêtez de faire semblant. Voilà, tu es perdu, là. Moi, je vais fumer une clope. Bon. Mais c'est vrai que si tu regardes la figure de la femme en sortant de tes albums, c'est beaucoup ça, en tout cas. C'est ouais, beaucoup de sexe, mais parce que je kiffe. Comme je te dis, je raconte ce que je vis, je raconte ce que je kiffe, tu vois. Et ouais, ben, je suis un mec comme tous les mecs, tu kiffes le sexe, et voilà, et je parle de ce que je vis, truc, j'ai des images qui me viennent, je les écris, et puis basta, tu vois. Bah, c'est fait son fessier, ben, c'est l'image de la veille peut-être qui m'est venue, et tu vois, je l'ai écrit. C'est, mais tu vois, comme je te dis, c'est pas pour inciter ou je sais pas quoi, c'est juste, tu racontes ta vie, quoi, tu vois. Simplement. Dans la vraie vie, gros. Tu m'apportes rien. T'es un poissard. Je traîne pas avec Watt. Pourquoi je vais traîner avec Watt? Pourquoi je vais traîner avec Watt? À chaque fois que je traîne avec Watt, je me fais contrôler. Mais ta grand-mère, c'est ma voiture. J'ai pas le permis, déjà, tu me casses les couilles. Voilà, donc voilà l'équipe, je tenais vraiment à vous faire une petite compilation parce qu'en fait mon ordi bug comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant, tu vois, et j'ai toujours pas récupéré ma tour. Et je suis encore avec l'ordinateur qui fait le bruit d'aspirateur, écoute. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous débloquer la troisième partie justement, bah, des rappeurs qui dérapent en concert au cas où si j'arrive pas à tourner ma vidéo actuelle avec l'ordi là, parce que c'est vraiment une galère. Bon, quoi qu'il arrive, c'est plus fort que moi et je suis obligé de sortir une vidéo, donc je vais me casser la tête et il y a une vidéo actuelle qui va sortir, vous inquiétez pas. Même si c'est pas dans le même délire que je fais d'habitude, en attendant, bah, on fera ça, t'as capté, enfin bref. Sinon, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements, dis ce que t'en penses dans les commentaires et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu m'attends à 3 puis là, c'est juste pour référencement. Moi, j'arrête de te casser les couilles, je te dis à sort pour une croustillante, une vidéo et une nouvelle exclue. Si l'ordi veut bien. Peace les gars.